Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG. Mais avant de parler de Zidane qui est selon moi un des meilleurs joueurs du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, je compte sur toi. Et nous les mecs, on est prêts pour parler de Zinedine Zidane au PSG. Contacté par le club de la capitale, suite au départ annoncé de Mauricio Pochettino, ZZ aurait fait savoir qu'il était chaud à l'idée d'entraîner les rouges et bleus en cas de départ de l'Argentin. Ce qui semblait n'être qu'une rumeur est-il en train de se transformer en réalité? C'est en tout cas ce qu'il se dit ces derniers jours en Angleterre. Mauricio Pochettino n'a pas indiqué au Paris Saint-Germain qu'il souhaitait quitter le club de la capitale, mais l'Argentin serait clairement favorable à l'idée de plier bagages enfin de répondre favorablement à l'intérêt poussé de Manchester United. Mauricio Pochettino est en partance. Paris est dans l'obligation de se trouver un nouvel entraîneur. Et dernièrement, le nom de Zinedine Zidane revenait avec insistance. Malgré ses attaches marseillaises, l'ancien coach du Real Madrid est libre depuis son départ de la capitale espagnole l'été dernier et il aurait déjà été contacté par les dirigeants parisiens. Annoncé comme possible successeur de Deschamps à la tête de l'équipe de France, Zidane est-il prêt à faire passer le PSG devant son destin national? Selon le Télégraphe, c'est un PSG tranquille qui est arrivé ce mardi après-midi à Manchester avant son choc de demain face à City. Un duel pour la première place du groupe que les Franciliens aborderaient avec soulagement, car le journal anglais affirme que Zidane aurait fait savoir aux Parisiens qu'il était prêt à s'occuper de la bande de Neymar en cas de départ de Pochettino. Le média britannique ajoute que Paris aimerait être fixé avec son coach actuel d'ici la fin de la semaine avant d'agir en conséquence. Cité parmi les cibles de Manchester United puis du PSG, Zidane aurait une préférence pour le club de la capitale. Et ce, même si le poste occupé par Deschamps venait à se libérer après le mondial au Qatar. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que Zidane, entraîneur du PSG, c'est une bonne idée? J'entends tout en commentaire. N'hésite pas aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne, c'est très important. Je compte sur toi, j'ai envie de te dire à la prochaine et salut.